La méditation de ce 1er août est intitulée « Ici et maintenant ». Car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le jour du salut. » 3 Corinthiens 6, 2. Nous croyons fermement que le Christ reviendra bientôt. Pour nous, ce n'est pas une fable, mais une réalité. Nous ne doutons pas, et nous n'avons jamais douté, depuis des années, que les doctrines que nous prêchons représentent la vérité pour notre temps et que nous approchons du jugement. Nous nous préparons à aller à la rencontre de Jésus lorsque, escorté par une armée de saints anges, il apparaîtra sur les nuées des cieux pour donner l'immortalité à ceux qui ont vécu dans la fidélité et la justice. Quand il reviendra, ce ne sera pas pour nous purifier de nos péchés, pour faire disparaître les défauts de notre caractère ou pour porter remède à notre faiblesse. À ce moment-là, cette œuvre devra être terminée. Quand le Seigneur reviendra, ceux qui sont saints continueront à l'être. Ayant gardé leur corps et leur esprit dans la sainteté, ils recevront l'immortalité. Mais ceux qui sont injustes et souillés le resteront. Plus rien ne pourra les débarrasser de leurs défauts et leur donner un caractère saint. Celui qui purifie ne s'assoira pas pour poursuivre son processus d'affinage et ôter les péchés et les souillures. Cela doit se faire maintenant, pendant les heures qui nous restent avant la fin du temps de grâce. Lorsque nous embrassons la vérité de Dieu et que nous nous plaçons sous l'influence de cette vérité, elle nous influence de telle sorte qu'elle nous rend moralement aptes au royaume de gloire et à la société des anges. Nous sommes maintenant dans le chantier de Dieu. Certains d'entre nous sont des pierres sortant de la carrière et non encore taillées. Il faut que la vérité divine agisse sur nous, qu'elle nous élève et fasse disparaître toute imperfection et tout péché, de quelque nature qu'il soit. Nous serons ainsi préparés à contempler le divin roi dans sa beauté et à vivre enfin avec les saints anges dans le royaume de gloire. C'est ici-bas que cette œuvre s'accomplit pour nous. C'est ici-bas que notre corps et notre esprit sont rendus aptes à l'immortalité. Car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens 6, 2. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.